Allô, oui, j'écoute. Raya, est-ce que tu aurais aussi attrapé la grippe? Ah oh oui, je crois bien, j'ai une fièvre de cheval. Et toi, ça va? Bah, je dois t'avouer que je suis pas très en forme, mais je crois que c'est bien pire pour Bunny et Molly. Ah oui? Alors toutes les guerrières sont hors de combat? Non? Malheureusement, il y a quelqu'un qui a pu en échapper. Quoi? Coucou! J'ai appris que toi aussi tu étais malade! Bah oui, comme tu le vois. Ne t'inquiète pas, je suis venue t'aider. Je crois que j'ai appelé trop tard, pauvre Raya. Enfin, j'espère que ça se passera mieux pour elle. Ah, voilà, c'est prêt. Cette fois, ce sera meilleur. Quoi? Et pourquoi cette fois? C'est que juste avant de venir, on est allé chez Molly et Marcy et elle a cuisiné la même chose. Mais bon, j'ai peut-être un peu raté, mais ça peut arriver à tout le monde. Allez, tiens, maintenant, il faut que tu reprennes des forces. Allez. Oui, merci beaucoup. Je sais pas doser, mais je te promets de me rattraper une autre fois. Oh non, laisse-moi avoir pitié. Oh, Mathilda, je t'en prie, laisse-moi me reposer un peu. Oui, bien sûr. Attends, je vais prendre ça et je vais le rapporter à la cuisine. Laisse-moi tranquille. Il a encore frappé. Oh, Raya, ne t'en fais pas, voyons, ce n'est rien. Je vais changer les draps et puis après, je... Faut pas lui en vouloir. Excuse-moi, elle le fait pas exprès, c'est juste une grosse maladroite. Eh bien, heureusement qu'elle le fait pas exprès. Oui, il manquerait plus que ça. Ça y est, c'est prêt. Tu peux venir te coucher maintenant. Oh, attends. Tiens, regarde, je t'ai apporté une petite cassette de bonne musique. C'est un très bon enregistrement, tu verras, c'est très relaxant. Tu te sentiras très vite beaucoup mieux. Ah mon ben, où est le bouton pour l'allumer? Comment ça marche? Oh, attends, Ah, ça y est, j'ai trouvé! T'inquiète pas, je vais essayer de baisser le son! Bon, peut-être qu'il vaut mieux que tu te couches sans musique après tout. Je sens que si ça continue, je vais bientôt exploser!